Pues eso. Paco, vamos a tratar aquí. Vamos. Thank you.
tous se lever pour la première journée. Nous allons procéder à la remise de l'anneau en présence des témoins, un grand remerciement de votre assistance. Et nous enchaînons avec la lecture de l'acte 3, vous pouvez vous asseoir. Ve
Shusha, משום שלאב חמישים ימים הסביר רב דניאל יוסף בן אהרון, אתה נמנע ועושים להם בידי עוד חמישים ימים סך הכל ועד ימין, וכך אמר רב דניאל יוסף בן אהרון, אתה נמנע מהחיים שטר, תוך רב דן ותוסף רב דן, ואת הלילה, ואין את היפחי צריה מכל שפר הכל, ונחס למניין ולפתי אך כל שמיה, ונכנת את עתיד אמר, ומידי, נחס עם בטר בחרים ובטר, כולם יבואו חיים, Il est assis à sa place.
Tu vois tout, hein? Bienvenue, bienvenue à tous. Vous savez que les deux, c'est quelque chose quand même. Vous connaissez, vous savez comment ils se sont rencontrés. C'est singulier, je peux le dire. Bonjour, la suite. Si je vous dis, est-ce qu'on a le droit de mettre à la porte de la synagogue quelqu'un qui veut vous rentrer? Vous me direz, mais non, comment ça ne se fait pas? Bah, du coup, il serait pas là. Je vous explique. Daniel de la voie et une femme, en l'occurrence, Johanna, eux qui avaient les questions de la sécurité habituelle, madame, elle veut une bombe, elle veut qu'elle achète d'autres à la réunion. Daniel finit par dire à Johanna, sortez de là, je ne veux plus vous voir, ne revenez plus. Elle dit, maman, je vous fais mal. Quelques mois plus tard, mademoiselle, voulez-vous devenir ma femme? C'est quand même pas banal quand on rencontre. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il faut de la force et de la volonté pour se déjuger et de se permettre de voir quelqu'un d'autre différemment, autrement que ce qu'on a vu la première fois, autrement dit, ne pas faire en sorte que la première impression soit définitivement la bonne. Il faut une sacrée force de caractère. Et c'est la leur. Et c'est pour ça qu'ils ont tenu à être devant vous aujourd'hui. Non, parce que dans beaucoup de synagogues, enfin moi je vois comme ça, dans beaucoup de synagogues, vous savez, les mariés sont là, ils tournent le dos aux gens, parce que quand vous venez dans son fils, ils tournent le dos aux gens, et puis on regarde donc l'arche sainte. Et ça ne vous choque pas, moi ça me fait bondir. Alors on a parlé avec Johanna et avec Daniel, et j'avais justement le thème de votre mariage, la force de votre caractère, c'est justement ça. C'est je regarde autrui, je lui dis, la première impression ne sera peut-être pas la bonne, je vais apprendre à donner l'être autrement. C'est énorme. Qui a ce courage? C'est le leur. Et lorsqu'on se tourne face au public, on n'a pas le dos à Dieu parce qu'il a son domaine à part. Puis on n'enferme pas dans la synagogue le bon Dieu. Ça vous arrangerait, mais c'est pas le cas. Une manière de dire qu'un couple, c'est pas juste une verticalisation de la relation à Dieu. Je dois être clean avec le bon Dieu, attention dans ça. Hein. Je dois être clean avec le bon Dieu, mais non, si mon comportement est un peu déviant, bancal, vous avez des gens de l'importance. Ben justement pas. Chaque couple, surtout le vôtre, peut-être particulier cette force que vous avez eue, c'est de se dire, non seulement on sera un modèle, nous, mais on sera un modèle pour vous tous. Et vous tous qui êtes là, mariés, déjà mariés, pas encore plus, ça va commencer, etc. Peu importe. Avez-vous cette force de dire, on va. Allez, on va repartir. On va faire autrement. On va essayer en tout cas de se voir autrement. Et ce message-là, il se met à être extraordinaire. Ça peut être une bénédiction pour vous tous à la fin du jour. Et puis, c'est aussi un pied de nez à quelque chose qui est franchement incroyable. À la télé, à la radio, on va entendre ça. Vous avez vu le film Adèle? C'est une réplique de bonheur. Parce que maintenant, le bonheur, ça se trouve à la télévision. Autrement dit, le bonheur, c'est spectaculaire. Le bonheur, c'est pas, ne réside pas dans la sphère spectaculaire. Le bonheur, c'est dans l'intimité. Ça se construit lentement. Patiemment, avec des efforts, jour après jour, pour que le sentiment aille crescendo et que cette nouvelle aventure-là débouche sur une plus merveilleuse encore. Aller toujours plus loin, aller toujours plus fort, accompagné par vos grands-parents qui sont là, une bénédiction, vos parents et tous ceux ici qui vous connaissent, un petit coucou aussi. Donc vous pouvez aller, vous aussi. Qui vous aime et qui vous apprécie, vous serez un modèle pour tous les futurs groupes de la communauté, en devenant des locomotives déjà de la communauté, en allant toujours de l'avant, en regardant les gens en face en disant nous avons eu cette force, nous avons eu ce courage, alors ayons-le tous ensemble jusqu'à la fin de vos jours, je vous accorde la sérénité, la sagesse, la paix, les enfants
et du bonheur jour après jour pour l'éternité. Amen. Amen.
Hein? Ok.